Congolais et Congolaises, habitant du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloubou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloubou. Nous sommes loin de la zone économique, pene ya cité Vodacom. Nous avons une parcelle de 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci encore une fois à Kori Touvé Bino. La 4e émission de Bino, dernier virage Oyo Boulandaka partout à travers le monde. La réalisation British Photo, comme vous l'aurez constaté. Eh bien, émission de Bino, frère Blaise Monama Oyo, Boyebi, Toyamba est déjà plusieurs fois encore l'autre Yambi, frère Blaise. Pour la solola sur les sujets Oyo Babengi, mariage coutumier et la dot. Coup de dot et l'obinini. Tina lango ezanini. Est-ce qu'il faut couper sa dot? Est-ce que ça existe? Tout le en tout cas sur le plan culturel, sur la dot, mariage coutumier parce que, bon, il faut couper sa dot. Est-ce que, parce que tout le monde a un bon rapport, ça va doter, mais on va aller à la bango, on va la civile, mais pas la bisou, la frite, la bisou, la bantou, ming, le bat toujours mariage coutumier, dot. Est-ce qu'il faut nécessairement couper ça, le mariage coutumier? Est-ce qu'il faut nécessairement couper sa dot? Et puis d'autres, il faut couper ça, nini, d'autres, c'est la signification dans les années. Trop développé dans la émission de Bissou de l'eau avec frère Blaise, mon frère. Mbote, merci beaucoup, papa Limia. En tout cas, salutations aussi à mes frères et sœurs au Bazolanda Bissou, mais partout dans le monde. Papa Limia, vraiment, si j'ai Oyo, ils ont si j'ai Moko Mounene. Ouais. Des fois, les gens nous regardent, ils ne comprennent pas vraiment motivation Oyo. Et habite à Penza, Batnet Babiso, à Omonabou et Papa Mobimba, au Biminandaku, au Tiki Moisinabana, pour Nagoya Kosola Makamba Motindo. Papa Limia, je voulais dans l'introduction, il y a émission Nabiso Alelo, j'ai un message, Oyo, en tout cas, Ezana moi, Mikole Lekaki, n'a recevé qui, en tout cas, ces messages-là. Et ce message, il y a vision, il y a vision, si tu veux, la communauté na biso, ba congolais, il y a batu mwindu en général, c'était pas précisément dans un pays bien précis tout ça, mais on nous montre, en tout cas on me montrait la communauté oyo, en tout cas le poto la diaspora. Et bazola kisangai que mingi nous sommes venus en Europe na makanisi que un jour nous devons retourner chez nous. Mais par contre kola kisangai que na kati na vision na nazo mona que tokomi kokoma bampaka basuki a pembe bani ko bima biso et beaucoup tokomi yako kufa awa. Voilà. Yako kufa awa. Alors na kati na vision na je me suis dit mais et vision oyo et la kisini. Alors baza ko expliquer nga que en fait hasard na vie ezalakate. Le koya na biso diaspora africain oyo to se retrouver awa na Libanda ya nini na biso ya mboka na biso ya continent na biso c'est quelque part ezalaki meti tolobaneti mouvement oyo bana na Israël basalaki à partant de l'Égypte pour aller à la terre promise. C'est-à-dire que Europe pour na biso ezalaki comme un désert. Un désert où nous devons apprendre les choses oyo singelaki. Et mingi toye na pote awa pote komi nango kaka et sengo ya kolia ya komela et tout ça habiter dans un appartement entre les quatre murs et tout ça et tozo sosola lisusu te
et la vraie mission Oyo Oyo sali que nous nous sommes retrouvés à Wanakati na mikili na poto et voilà que mission wana eshalaki que pourquoi nous sommes retrouvés na libanda ya mboka parce que ba mboka na biso en général est bébé pourquoi voilà le pourquoi nous sommes retrouvés en Europe. C'était entre autres pour Nabisso une période où ebungaki toyeba kozonga na kati na biso moko to sosola qu'est-ce qui n'a pas été pourquoi nous sommes retrouvés na libanda et tout ça pour que soki tozui boyebi wana et que toyebi vraiment yako zonga na nzela ndenge tata nzambe alingi pour accomplir la mission dans nos pays respectifs et kokaki qui ko permettre biso que tokoka ya kozonga mais voilà le kola toye awa to côté pe na kati ya distraction okomona ba o bazana France baza ko mibenga ba français ba o bazana Belgique toza ko mibenga ba Belge ba o bazana Amérique la même chose et ce qui fait que to komi na biso ko errer na kati na mukili et entre autres to fandinga na yo awa tozo kake nos pays sont en train de partir tous aux zones en Afrique où mona que avion tondani na mindele aux mona donc en fait pourquoi naza ko pesa le message oyo parce que batumi bazota et bazo comprendre te mais motivation abato utakapi en fait quand nous venons avec de tels enseignements eza pona ko permettre biso to zonga poto misosola to miye batoza banani toza banani donc voilà mais malheureusement mingi ndenge batel singa na vision oyo ba vi na biso ko suka na kati ya exode oyo donc en fait na ndenge lobi ba ya si je na biso te je crois que quand même on soulevé introduction mais on soulevé quand même introduction moi c'est quand même important si je soulevé voilà mais quand même moi question moi moke en fait la vision ndenge moni c'est à dire que tu raté mission na biso quelque part ça dit que mission na biso zalaki to yaki awa pas tout songa na mboka na biso bien sûr c'est le message même le bela ngombe ya simo ki bango o alobaka ba to ba ko bimaka pour la kozonga justement c'est dit que on n'a pas pu comment dirais-je ko sosola bit na biso na kati ya poto c'est dit que c'est la nini justement et puis tout ça la nini tout songa na mboka na biso c'est dit que to bosani yango quelles sont les conséquences maintenant lobi to kufa awa pour la biso kufa ka donc moi to papa lima to kufa awa to soko kufa déjà mingi la plupart to koti na kati ya distraction c'est surtout biso congolais en plus surtout biso les congolais les africains aussi quand même voilà ils appellent la vision contraire parce que biso ba congolais to bien ko fana na poto aye na poto vi na e komi na poto komi na poto mais ba africains aussi so ba ye poto vie la banque d'Afrique en Afrique. Justement. Azui, Azo Tonga Kunda. Voilà. Azui, Azo Salakunda. Azui, Azo Bongo. Azo Mboga là-bas, même dans ma village là-bas. Voilà. Et puis, ce qui est congolais, c'est qu'il y a des gens qui ont fait la photo. Voilà. Pour te commis à Bissot. Voilà. C'est un bossani, ma gamme. C'est un peu ça. Ma kamoza, au loba, au moment que tu bungi, au bungo, au moment que congolais, c'est le seul africain, tout le monde, Bissot, nous sommes africains, tout le monde, mais Bissot, au moment que congolais, Azali Moutou Oyo, à côté na ba bêtise ya mindele et belé ya koleka ba africain presque tout voilà. Presque tout et ya motango zo lo ba ki tango zo kufa na eta wana zo kende wapi voilà ça c'est une réflexion voilà. Mais je crois que c'est pas notre sujet mais tout contre la sujet de la biso prochainement peut-être on va revenir parce que quand même c'est un moment important à la société parce que bon je crois que bato balobela on mingi bon tout mon suma bandako awa tout comment la biso awa tout bosse en Afrique bonjour abiko tout le monde là aux Congo té là on couvre quand ah Congo les c'est baby Congo est bon raté baby quand tout mboka là en sécurité là on était tout rejeter mboka la biso mais les vis oyo ils ont détruire le Congo na kati ya mutema mutuana elongwete elongwete wa ti awa na poto ya tikali awa azo swa na kaka azo ina batu kaka awa azo bundisa azo futa pe nyongo té le ba british photo hein futa nyongo libe futa tozi mboka voilà. Voilà. Donc on travaille la sujet là-bas sur la dot. Voilà, sur donc, la dot. Donc la dot, n'importe quoi trop banal. D'abord, tina la dot est d'abord nini. Sauf qu'on a d'abord biso ou mariage coutumé et la dot peut-être c'est mariage coutumé c'est un peu ça la dot également. Comment on définit d'abord en gros parce que ça la français. Voilà. Mais la toujours le banal lingala. Comment est-ce qu'on va comprendre ces mariages là et nous le banal ces mariages. Quel est peut-être symbole dans nos années. En tout cas, papa Limia. D'entrée de jeu, il faut tout bander d'abord, il y a quand même ça va tout. Aujourd'hui, tout ça, c'est laisser. En fait, les mots
et perdre ba valeur nango. Au moins tant que lobi mariage coutumier. Mariage coutumier ezo bimana na eyo ke lina biso neti mariage moko un mariage différent. En fait, mariage coutumier zakaka mariage. Ouais. Le coutumier, ça veut dire tout simplement mariage chindenge zaye ko salama na bizale lina biso. C'est coutume, voilà. Ouais. En fait, le mariage coutumier, c'est ça, le mariage même. Donc, c'est-à-dire que, tant que tu as la dot, dot, awa tu as la dot comme la porte d'entrée na katia ya mariage. Or, le mariage, ce que tu as même la Bible, l'apôtre Paul, c'est le mystère des mystères. C'est le mystère des mystères. Et là, tu as invisible na visible. Et le quoi ça ça molimo nanzoto. Donc c'est à dire il y a mystère, il y a pas mystère. Et mariage, c'est à dire que o esalami na moi sina mobali o ba ko former une famille. Si nous pouvons considérer notre humanité comme un corps, c'est à dire que le mariage c'est où va naître les cellules de ce corps. Donc veut dire que si la cellule est malade, le corps qui est notre humanité, qui est notre société, notre pays, est malade. Oui. Donc voilà pourquoi, dans l'ancestralité, étant dans le cas de l'ancestralité, dans le cas de l'ancestralité, il y a ma yéle. C'est-à-dire que dans l'ancestralité, bakolo wana bako ko na biso wana ba yeba ki valeur ya mariage bo ba yebi ke soki muto a réussir mariage te ndenge balo bango na bia soko réussir mariage te vi na homo bébé bi malgré bo effort nyo so sala ko kota ki ba classe et tout ça. La même chose pour une société. Si dans une société les mariages ne sont plus na kati na nzela oyo sengeli ezala, société wana ebundi. Et c'est là où nous sommes en train de partir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, toko beta c'était d'abord na dot. Et dot, il faut toyer ba que soit tolbito to définir dot na eyo ke li ton entendement ya ancêtre na biso. Dot ezali, si tu veux, en fait un rituel. Un rituel initiatique o ezali koya ya ko sanctionner la phase une grande phase. Il y a initiation à Moutou. Parce qu'il faut que tu vis à Moutou, dans ma belle, il y a l'initiation. Quand tu as botami, éducation, nous sommes allés couper, ça y est, pour initier à devenir un homme. Si c'est une fille, à devenir une femme. Il y a un monde qui a beaucoup, qu'on a vu, une fille même, ce qui n'est pas une maman. Parce que c'est ce qu'elle est censée devenir. Et on est en train de l'initier à travers de l'éducation à devenir cette, la femme. Alors, tango bakoye bako évoluer na kati initiation na, donc ils ont été classe. C'est-à-dire mukolo bazolo baya dot. Les dot, c'est-à-dire que yango balobi dot na bazolo ba isa elembo. Symbole. C'est le symbole. Mais ça symbolise quoi? Les lots au moment a été les gens se sont accaparés juste des symboles, mais ils ont oublié ou ils ont rejeté la substance même du symbole. Voilà. Qu'est-ce que cela symbolisait? Au moment où on a débattu, quand on a bilé, quand on a bâti, quand on a cassé, quand on a déviation, comme il y a l'engagé, enveloppe, il y a bas dollars, il y a bas euros, ce n'est pas de ces choses-là qu'il s'agit. Mais tous ont esquivé tous les colobatés. D'autres, Ezali, c'est-à-dire que Ezali, le fin du cycle. Atteindre la maturité. L'homme quittera le père et son père et sa mère va s'attacher à sa femme. Mais même la vie normale, quand est-ce que papa Lima, moi, na yoboti, il va quitter le toit paternel? C'est quand a commis la maturité. C'est quand a commis à mi pesi ba moyen, a vu Moussala, ou tangi ses classes, a vu Moussala. C'est-à-dire là, a quitté l'endam. Et dans la vie aussi, c'est la même chose. Dans la vie, bah, quand on travaille, que mutunde ngazali ya kola, bazali ko initiye et mukolo ya dot, tant bazolo ba dot et même le mot dot na français, c'est-à-dire doté, ils ont un verbe doté, c'est-à-dire que on a tenté de te doter des moyens nécessaires
pour accomplir la mission. Laquelle mission? C'est le mariage. Voilà. Le mariage, pourquoi? Parce que à travers le mariage, de la promesse oyo ba chrétien tout temps kana kati ya Bible oyo ba lobi que quand Dieu a sali Adam na Eve a lobi été na béni bino et que ba descendant na bino bénédiction et qui ta jusqu'au millième génération au travers ya mariage. Donc c'est-à-dire que eza makambu moko, c'est-à-dire c'est la base de tout. C'est de là que ça part la bénédiction ya batu na kati na mukili et tout ça. Alors d'où tango batu baza koya ko sala dot, c'est-à-dire que mwana mubali na mwana mwasi oyo bazoya devant, si tu veux, le cercle des initiés ozali neti ba parents des deux familles au moins ni neti za ko silisi classe ozoya ya ko défendre memo na yo. C'est-à-dire que na moment wana ya mona zo beza cérémonie moko initiatique ozali koya maintenant ya kola ki sa été voilà na acquérir maintenant tous les enseignements oyo bo pesa ki ngai na zo démontrer yango yango komona na ba village na biso tango ezalaka bien. Un garçon dès qu'il atteint l'âge ya 12 ans à comme adolescent, on va l'initier à devenir un homme. Si son père c'est un chasseur, il va lui apprendre à chasser. Il va l'apprendre aussi à construire la maison où il va fonder un jour la machine à bain. Moi, si on va l'initier à devenir une femme. Aux hommes. Donc, la dot, le kotokoki, ya koloba, et ça, en fait, tout simplement, tout le bas, neti. En tout cas, c'est un rite initiatique. Oyo na sika oyo mubali na mwasi oyo bazwa koya tout simplement ya ko démontrer été ba atteindre la maturité nécessaire et ba boti oyo bazali ba initier déjà, c'est-à-dire initier ya vie ndenge tambolaka na mukili parce que toute vie na mukili ça passe par les mariages. Voilà, je crois que là, on va comprendre l'explication vraiment claire. Mais quand même, on va se situer. Ah, parce que, bon, tant que vous parlez de la dot, toujours parlez de la magie coutumier, est-ce que vous parlez en tant qu'Africain ou alors en tant que Moutouka Yamoukili? Parce que, dans le monde, vous allez avoir dot de salibaté. Donc, on va parler de la aussi, ça la civil, mais dot, ça la monter. Puis, on va dire, ah, ils allaient très symbolique, ils allaient important la vie, la commencement, la vie à Batou. Il faut faire la dot, des choses comme ça. Mais est-ce que vous avez un bon métier en tant qu'Africain ou quoi? Tout est dans la historique. Et bien, on a une dot. Dot, est-ce que, nous avons un peu d'exemple, Adam, Eve, tout ça, Zab, Pamboulagi, Bango, est-ce qu'on peut parler de la dot d'Ango? Parce que, on a un symbole, c'était juste une bénédiction. Est-ce que, au niveau de la Bible, comment est-ce que, voilà, donc, surtout, on s'inspire un peu sur la Bible, parce que toi, chrétien, la dot origine d'Ango. Est-ce que c'est seulement pour les Africains ou c'est aussi pour l'humanité? Vous pouvez expliquer, monsieur Duplassois. En tout cas, papa dit, il y a ma tonne de mingi, bande de kobasi, mi bali, besoin de son dernier virage pour fumer la mato, ibo kamalam. Amen. La dot, c'est une réalité spirituelle. Voilà. C'est Ezali et loko. Même papa Limi, tant que vous avez un docte, awa avez un ressoussouté, Ezali n'est pas ressoussouté si koyo. Ce qui a retourné. Dans les années antérieures, dans la société Oyo, la dot existait. Ah, la dot a toujours existé. Même la dot a toujours existé. Et vous comprenez dans mon dernier. Tant que vous avez une dot, et tant que vous avez à qui on paye la dot. Dot, il y a une dot, la première, les cérémonies, il y a dot. Et ceux qui ont une dot, il y a souligné à dans le jardin d'Eden. Voilà. C'est-à-dire que tu as Dieu comme le papa. Okay. Asali Adam, Asali Ève, Asali Moisi, Asali Mubali. Et a doté Bango déjà, a pesi Bango, ba capacité, ba moyen, yakibo Mubali, yakibo Moisi. Et maintenant, le kola ba mikokeli déjà na kati ba capacité wana, alors a pamboli Bango. Kopambo la bango, c'est-à-dire tout simplement que basale la ba capacité wana na ndenge ya malamu pour que bénédiction wana et continue de génération en génération. Et on peut retrouver yango pe na kati ya Bible. Dans la Bible, là où on est en train de parler, c'est l'apôtre Paul qui est en train d'exhorter beaucoup sur le makamu ya mariage. Azoloba, les maris aimez vos femmes.
comme le Christ a aimé l'Église, jusqu'à payer le prix ultime. Tant que tu as dot awa, c'est-à-dire, y a un bazoba, dot c'est quelque chose, c'est un acte de payer. De payer, l'homme, il est en train de payer, c'est-à-dire, tu donnes une chose pour acquérir un bien. Et le bien que tu es en train d'acquérir ici, contrairement à l'entendement, ce n'est pas la femme. La femme n'est pas ton bien. Pour acquérir la vie oyo, on peut transmettre de génération en génération. Donc, Ogumon a été, Bazakolobaki, yope la femme, aime aussi ton homme et Namute Manayo Mubimba. Tu ne t'appartiens plus, tu t'appartiens à ta femme. Donc, c'est-à-dire, dans la dot, c'est une notion d'abord spirituelle. Dans la dot, il y a la loi fondamentale, où est sali mukili, la loi de donner et de recevoir. Loi où est sali raté, il faut ou inspirer ou expirer. C'est la loi de la vie. Et en apôtre Paul Azoba, c'est le mystère des mystères. C'est-à-dire, et sous qui kaka un aspect physique, mais un aspect physique, c'est quoi, et sali kola kisama, ndenge moubali azako se comporter vis-à-vis ya moi sinaye, ndenge moi si azako se comporter vis-à-vis ya moubali naye, mais c'est une loi. Mais Naïpcho, tant on a dit que c'est la loi fondamentale Oyo et Sali Mukili. C'est ça même que on appelle la dot. En fait, dot, c'est au lingui, c'est-à-dire, ils en est tout considérant ma capacité, ma don, ma talent, Oyo Nzambe, à tien à kati na moutou. Et que moutou, il faut accoler ça yango. Mais, moutou tango yena Mukili, Oyo, Nzambe, tien yo, ba boti yana bazako sungayo. Bazako initier yo, l'éducation c'est toute une initiation, papa Limia. Voilà. Yango bibezo ba montre à ton enfant les chemins qu'il doit suivre. Or, mutoazali esprit. Eza tautologie, hein, parce que le mot tolbaga muntu à lingala, mais en français c'est l'esprit en fait. Ah. Oui. Donc c'est-à-dire que babo temso ba yike tango mutoa tango un enfant yena mukili. On doit l'initier à devenir un homme. Au moins, il y a un homme qui a dit que, Natango ya ko futa dot, l'homme ne paye pas sa dot, na noko, na papa leki, na papa ya mwana, et tout ça. En fait, l'homme il paye sa dot à sa femme. Ah, toujours, voilà, nuance, voilà, toujours. Et la femme aussi, elle paye. Elle paye la dot. Elle paye aussi sa dot aussi. À l'homme. Bon, là, il faut expliquer. Voilà, on explique Bissango clairement parce que dans le monde, on peut s'attoper à d'autres nanani. Mais quand même, on dit, ah, on dit, parce qu'il y a toujours une histoire, parce que on dit, ah, ouais, ils ont la d'autres aussi, ils ont la gala, mais Siko, ils ont la gala. Oui. Mais par rapport à Yango, ni n'a pas salé que les alaki, mais ce qu'ils ont été, ah, ouais. Par exemple, on a évité pour la nini, ah, bah, ça les choses sont montées. Est-ce qu'il y a des raisons précises? Est-ce que tu vois l'importance dans l'autre? Ou comment est-ce que. Il n'y a plus ça ici. En fait, il y en a toujours ici, mais ça peut-être été la forme où il y a tout au lieu de même forme où il y a biso tout au lieu de l'eau, on a une déviation. Nous allons revenir. Mais au moment où il y a été bango, awa, la forme où il y a tango, déjà, il faut voir la dot des animes. Parce que ici, au moins tant que ça n'existe pas, parce que tu as un entendement, la conception Oyo, qui est dote, c'est l'argent que tu donnes ou des biens que tu donnes aux parents. Mais si nous comprenons la dote comme étant plutôt la loi de donner et de recevoir, Oyo Ezali, les règles fondamentales, il y a amour. Et que la dot, c'est-à-dire que Moubalaza coupe sa dot na moi sinaye. Azo pe sa dot na moi sinaye. Et c'est-à-dire que Aza coupe sa na moi si. Oyo nyon se singeli. Et quand on dit donner, la difficulté que nous avons aujourd'hui, on a déformé Bantanma yaba monyoso. Quand on dit donner, dans la notion spirituelle, c'est-à-dire que
Ezali ndenge mobali azali kotonga mukili ndenge azali kotia ke azali protéger la femme na kati na na vie na bango. Mais en fait na ébité par rapport ndenge zulu ba d'autres parce qu'il faut nga mon muké aussi na ndenge et ça en Europe. En fait c'est d'autres actes na loba accord ya ba para, ça veut dire que voici na mobali sur ba kutani sur ba para ba pesi déjà accord ba ndini bango. C'est déjà une sorte d'adulte parce que Mindele a été bon là. Si je suis bon là, moi aussi, je suis bon là. Ce qui est bon là, c'est 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 bon là. Ce qui bon là, c'est bon là. Ce qui est bon là, c'est bon. Si tu penses pas que l'adulte, c'est aussi une bénédiction plus c'est ma parent qui accepte. N'est-ce pas que moi la banque a vécu dans mon tutelle, c'est déjà une façon de parole. Quand je les explique déjà, je suis déjà parti pour une autre. Awa, je ne pense pas qu'il y a un des dots. Awa, au moment où tu as le but en termes de bien et tout ça, tu as le but, Awa, Dieu, il donne les dons, les capacités, c'est comme des biens. À l'homme et à la femme, va développer en gros pour que tant qu'on va atteindre la maturité nécessaire, bango peut pas couper ya couper bah pour s'engager pour nous la vie. Ah on a pas tout le monde en gros, ceux qui moi na moi si na mubali, bah yokani liboso ya baboti, et tout ça ya baboti, baboti on a pas pensé qui bango déjà va bien. Net yoboy, les biens les plus précieux que tu donnes à tes enfants papa Limia, ce n'est pas l'argent, non. C'est l'éducation. Aux autres temps qui savent en classe et tout ça. Donc tu donnes déjà et bien. Mais même à on a poto au monde on mingi tant ba osal les mabala au monde la famille mbali batché enveloppe. Famille en ligne. Ya mbali ya moi si batché enveloppe et il donne ça à qui? Au marié. Au marié. Voilà. Pour que ma bande vienne avant. Sauf que, ok, c'est pas, il y a ma juif, même Tilelo. C'est aussi la même chose. Voilà. Donc, la dot chez nous, même chez nous, il y a un tozo le baawa. Avant, tout dévier, ce n'était pas ça. Les parents ne mangeaient pas la dot. Voilà. Tozo koma. Tozo koma, voilà. Je crois que comme un tozo le baawa, ça dit que chaque coutume, genre, là-bas, chaque peuple, bah, la façon dont bango, bah, ça, là, bah, cérémonie, là aussi, parce que par exemple, je ne parle pas indien, apparemment, c'est aussi différent aussi à Bissot. Mais il m'a bien rompu d'autres. Oui. Bah, par exemple, la famille qu'on a bendé, bah, on se coûte, famille à moi, c'était ma pèse à route. Oui. Bah, on pèse à route, bilo, on connaît quand même ma famille à mon bal. Oui. Donc, bah, on se pèse à la gare, famille, tête à mon pèse, ça, bilo, famille à mon bal, mon pèse, famille à basse, bah, on pèse, ça, bah, on se ça. Oui. Et pas, bah, coutume, on se pèse même la bafique, même la bacon, bras, et ça, les m'a pèse. Ça dit que, ils ont, bah, différentes manières, où y'a, bah, cérémonie, et ça, les m'a. Mais toujours, comme à ce qu'on a niveau, y a d'autres niveaux, lobby, ah, ouais. Parce qu'on a insisté en ming, on a insisté sur ça. Qui reçoit la dot? Et puis d'autres épées ça m'a rendu nénini. Nani yango oyo a quoi qu'on recevoir d'autres choses tout. Moi c'est un bal balani. Nani la zana doit recevoir d'autres voilà. En fait la dot, si on comprend ici, c'est tout le bien que l'homme doit à sa femme et que la femme aussi doit à l'homme. Très bien, mais même temps ça ma liste. Bon, ma liste on est à ma déviation. Ah. Papa Limia. Yoka. Yoka. Normalement, la dot chez nous est symbolique. Oui. Ça symbolise quoi? Voilà pourquoi au monde on a ba famille, le lot tous en a monde moko industrialisé. Voilà. Les gens vont travailler dans l'industrie et tout ça. À l'époque, ba famille ça qui soit il y a ba pêcheur, il y a ba éleveur, il y a ba il y a ba forgeron ainsi de suite. Il y a au monde soko tali dans le temps. La dot était quoi? On demandait les symboles. Les symboles. Qu'est-ce qu'on demandait? Si le papa Azali, peut-être tout le bas. Charpentier. Un charpentier et tout ça. A Kosenga, peut-être Elembo, Yelokoye, Asale Lanango, Yumsala Nango. Voilà. En fait, ce que les gens ont mis, Azali Kosenga, ce n'était pas pour Azali Yaye. Azalaki ko senga ngo comme preuve to lobia wa dot ezali neti bana ba atteindre maturité ba six classe baza siko ko ya ko présenter ba pièce o ezo la kisake ba komi na maturité oyé na défense na yo tango oyé na défense oyé na travail de fin d'étude na yo tu donnes ça na jury tu donnes ça na ba professeur ezani na nina na banque côté mais bango ba ko soa ngo juste ba certifié et que voilà et puis on te donne la bénédiction au donc yango ko mona été
d'autres basaye ko senga et symbole basenga symbole ya loko papa asela nango musala ba ko senga tant bien papa t'excuse symbole za musala on dit oui symbole est halike mubali oyo azali ya koya ya kubala il est censé avoir été initié et il est censé avoir atteint la maturité et aza koya ya kolakisa ete c'est-à-dire quand il a mené cette pièce là ce symbole là c'est-à-dire que na langage initiatique où y a biso y a bantou azalai ko lak ça a été à maîtriser yango à maîtriser c'est-à-dire que maintenant il est devenu un homme et spirituellement et dans la matière azali pe na maîtrise aussi y a travail il a un travail et que a kozwa libota na ye aussi en charge na côté ya mama mingi bazao senga nzungu Djongo, nzungu signification na yango na batra na ni na biso nzungu c'est-à-dire maman azali mutu oyo azali ko pesa edik azali ko transmettre ba valeur ba vertu au travers ya éducation éducation wana ba valeur wana ezali neti biloko oyo maman azali ya ko pesa na bana ezali neti biloko oyo maman alambaka et voilà pourquoi on demandait la marmite c'était pas babiloko et ce qui a dit donc marmite wana même quand on a mené ça tout ça n'est pas bien Isabelle Lembo qu'est-ce que ça signifiait donc c'est-à-dire donc on attend moi Isaïe qui a posé là ma papa Isaïe qui initiation moko ya ba initié parce que la société africaine en général société moko ya ba initié osomona ya moko mona même tilelo chaque famille a toujours na moi babani na et bien que tout na peut-être na ndenge ya mabe ya kindoke tout ça mais c'est-à-dire on était foncièrement na kati ya bani wana donc c'était vraiment et loko oyo te ke ba papa bazay ko zong dernièrement na ko sura tant na préparer mission oyo na solo li na mama oyo ya botinga elle n'est pas vieille na tourner na bibo mama likambu ya dot yebisanga d'abord azo pesa nga exemple na alobi nga par exemple tant papa na bino aye a palanga aye po bon na ebite bon c'était pas peut-être aye po ala ki sa peut-être aye na ba piye ya banque belé tout ça en tout cas ndenge za na Congo abi za ki ba brique na ba brique ba brique ba brique aye a tie na mesa le papa ya mama aye bisa bi biso et pas na biso ba luba tozwaka mbongo te na libala abi je prends juste un symbole na balia sana nyoso abendika ka biye moko. Ok, c'est dans les temps ça. Mais il y a pas longtemps. La maman elle n'est pas vieille. C'est-à-dire que bazaki na besoin et puis na malobane a lobinine, a lobi tozwa ka mbongo te parce que libala ezalite ke ozo somba eloko ozo salani de tout ça. Mais voilà, libala pour na biso ezali ke au côté na famille au côté c'est à mon na dot c'est-à-dire la porte d'entrée au côté na cercle maintenant il y a bah initié ya vie parce que la vie c'est toute une initiation pour tambola na vie au bout quand au bout tabana au bout kolabana il faut y bah mukile tambola randeni papa il faut bah les lois ya mukile les lois ya nature comment est-ce que mukile et tambola entre autres babé aba au tout to yebi to lobakake et to kozota mwana mukili et loko mninga ko simbate la femme d'autrui ne touche pas et tout ça mais ozo mona donc ce n'était pas quelque chose que ça appartenait na nanani yango ko mona même moi na sala mariage civil te nga mariage nga na sala ezali mariage o to bengaka continuer mon colonel au sala mariage continuer au moins babilo kwango ezat toujours na moi ba sekel etika la mon colonel au sala continuer na remarqué na pesi biloko nyoso oyo ba senga ke tout ça mais bazo ebisa na madame balobi ke kende kozwa biloko wana soki on dimi yango amène ça chez nous maintenant donc en réalité biloko wana on ne donne pas la dot à la famille mais la famille ezana ko assister comme le cercle ba initié et ba kokoza la kaka na esengo c'est-à-dire que tozwi pe ba adepte ya sika tozwi pe ba to ya sika ba koti na cercle na ya ba initié o ba ko perpétuer ba valeur o ba ko perpétuer li pamboli que notre pays continue toujours ya ko pambola alors la bénédiction o ba ngo bazako prononcer wana ezali loko moko te ezako dépendre na bango c'est automatique
Donc le petit exemple, au tangi au tangi au comme une fin de cycle, au sali le travail na yasuka. Papa lima, tant aux aucun de ça la défense na au tissé déjà pour réussir. Voilà. Donc c'est à dire que ezali est le moko automatique, mais ce sont des langages initiatiques. Et pourquoi tout ça pour le bababilo aujourd'hui? Parce que au moment là que ce qui nous doit comprendre babiloko oyote. Tout le monde a dérive mon gozo salama yamakasi. Il y a tout comme un niveau dérive en wana et comme yamakasi parce que la façon pour traiter sur d'autres awa bah nous sommes qui ont raci quoi. Et puis il faut quand même le dire également que de plus en plus tout le monde aussi qu'on perd également bah valeur à d'autres aussi parce que je crois que l'année bah quand on a besoin bah nos salas l'année bah après on a besoin salas l'année besoin de nos salas mais l'année bah on a besoin bah la salas après biso ça risque ils ont aussi la forme moussous. Et tout, papa Lima, ouais. C'était symbolique. Même quand on demandait les masanga ya ntamba et tout ça, tout est symbolique. Ce qu'on doit comprendre, c'est que la signification de masanga na katia Bible. Tout est symbolique, papa Lima. Tout était symbolique. Mais si quoi, pour le bien, parce que le bien, la liste, ma famille, ils ont une déviation. Déviation. Regarde là-bas, expliquer Michel à niveau de déviation. Tout le temps, il y a un déni. Comment on a la liste? Plus la liste, c'est un bassin, un mungwa, machete, un colema, tout ça. Depuis que ça va bien, c'est un makala. Bon, peut-être qu'il faut mettre il faut que ça soit mis à jour également aussi à biloko basenga parce que au senga mungwa mungwa à l'époque no senga parce que mungwa za le rôle à diamant à l'époque parce que mungwa no papa limia et même quand les gens demandaient mungwa bazango senga ngote po ali yango même mungwa ezali symbolique la vie ya mutu na mukile fweza la et mungwa soko perdre le nina yo mungwa non na bibe balobiete si tu as perdu si le sel a perdu sa saveur ils ont sous notre nez mais quand tu as toujours bas symbolique mais balolie la carrément non balolie la non mais pour ça qu'il y a mungwa ils ont y a pas mal de liens pas mal utilisé balolie la balolie yango mais il faut y bah d'abord et symboliser ni papa ni yo quand on lit à Babylo au cabinet yango zomo na lelo tout ils sont pas les offandatés voilà pas les offandatés. Au foot, ceux qui 10 000, ceux qui 20 000, nous sommes comme 5 000, ceux qui les billets, à qui nous sommes 5 000, nous sommes tous là, tout ça. Les dérives, papa Limia, ils sont belles. Tant que nous avons un mariage, il y a une sécurité. Mariage, c'est une affaire des initiés. Nous avons un Afrique, quand on parle des initiés, comme mon ami, il y a mystique. Initié veut dire tout simplement apprendre, papa Limia. C'est quelqu'un qui est instruit. Et ici, mutoyer na kati na mukili la vie au ko vivre ka boété on t'apprend depuis le bas âge. Donc c'est-à-dire que même le moboti papa oyo azali censé ozalana lelo ezali sous moboti oté que ozali irresponsable yango tozo mona lelo oyo na moni loko wana na grand frère nanga c'est-à-dire papa limi yo fandi bona mwasi na yo oboti boboti aux enfants Boboko libango, bola mukaka butu ko changer ba course, la maman azozika maboko ya kolamba. Aujourd'hui bana bakoli, tu n'es plus là. On dit que au nom de la coutume, soki likambo ya libala, maman fo fanda na sima. Ba papa le ki moko peut-être oyo ye bakate. Ba ye ko fo fanda. E bangonde yo opesi bango le maloba. Olobite allez, bango baya kupambo la sikoyo libala ya mwana. Ya mwana. Ya mwana papa lima, c'est-à-dire to koti na buzoba moko, le kindokyo bat babanga, c'est-à-dire que tango yo pesi mutu le maloba. Aloba. Aloba. Maloba esana efe. Et puis maloba zaka kate oyo yo ozali ya koyoka. Parce que na kokoye bisa ok, papa lima en tout cas na sepel nde na monyo. Ce qui compte, ce n'est pas ce que yo yoki. Ce qui compte, c'est ce que moi, je pense. 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 C'est ça ce qui compte. Je pense. 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 Je donc, c'est-à-dire, au moins, que tu continues à dérive et belé. Babilo, quand tu as les dots, ou comme tu as dit, bambongo, qui devient même un frein. Na ba mabala ya batu ebelele. C'est-à-dire que au comico empêcher batu babala. Or tu es en train d'enfreindre cette loi spirituelle oyo bazolo ba été
que le mariage soit honoré de tous et que tu ne peux pas empêcher Batumi Bali Oyo et que le moment Nabango est bêti que la loi d'attraction des affinités est salie qu'il faut babala yo à cause y a ba loi na yo à cause y a ba nini na yo ba déviation na yo olingi 10 000 olingi 20 000 mboye Batumi babala ezate ezala Batumi sous papa limia. Le destin à Bango et Rubanda Rubonga Tango passe sans gagner. Maintenant, au tien Batuna Katia est perdement. Et ça, la Batunsu Bayana Mukilawa, c'est sa femme qui va l'aider. Tant que moi, si Nakuta n'a aidé à aider. Au moins, la Mutumsa, depuis Nakuta, moi, si on a tout comme un camion, n'a pas été comme un kéver. Moi, si on a depuis Nakuta, n'a pas balé au en tout cas tout. Bon, si quand on continue à ma famille, Oyo, Bazana Katia, il y a des déviations. Oyo. Donc, bino moyen, beaucoup de nakatia, ni na binote, nakatia, y a destiné na binote et tout ça. Donc, c'est à dire que, à cause y'a Babilo Komoko et Sangatina. Parce que, tout ça, ce que t'as dit, la motivation, y'a d'autres n'est pas aussi la vélo, c'est plus la souffrance. Hein? C'est plus la souffrance. Or, notion y'a d'autres, c'est une notion spirituelle. Qui vient d'en haut. C'est vrai que tomate bako qu'on a vu sur le coup à Bazaré qui n'a bon zambé tango ba concevoir la notion wana nde ba qui se coule au côté la qui a la matière à wa tout coquille à vous salam au bout mais papa lui même quand il le faisait la femme l'homme qui venait là c'était des initiés bah yéba qui m'a comme baza qu'au sal tant qu'on a besoin d'un tamba à ébin l'entamba et la qui si nini. Tango azoya na nzungu aebi nzungu la kisi nini sa femme aebi nzungu la kisi nini ce sont des moments ya gravité moko ya munene na ba société na biso mais le comme il kambuke yaka na biloko bat balata balia bamela et tout ça et puis mutango akulia amela et tout ça romona zane peut-être un soulard romona zane peut-être ba non ce n'est pas ces choses là. En fait, n'engue aux autres là, aux autres font la biso awa tout le baki to mariage y a mikolo yo tout le bas t'attends la biso oyo d'autres des gommes qui sont organisés to dévier un peu tout tu peux moi mingi to dévier mingi to dévier mingi ça veut dire en quelque sorte tout le bas toujours maîtriser ce qui mariage que tu mettais à d'autres. C'est-à-dire on maîtrise plus ça. Tout le monde sait la grâce. Tout ça qu'on maîtrisait. C'est-à-dire que tout le monde sait la grâce. Ils ont ça la grâce. Tout le monde maîtrisait parce que déjà ceux qui comprennent mariage. Coutumier, occidental, mais le mariage de tout le monde, c'est d'abord une notion spirituelle. Voilà. Définition, dans la culture, c'est ça qui est dingue mon corps. Ce qui vitamine A, bah, il y a des y a patate douce pour et botaka na Congo. Il y a même vitamine A, ils ont la pomme de terre. Ce n'est pas différent. Et là, tika kabilamba différent. Donc, mariage, yangomoko par définition, ils d'abord association, il y a activité féminine oyo moisi a incarné na activité masculine o mobali a incarné ya otozo lo ba awa ki eza d'abord likambu ya moisi na mobali oyo bakuta ni po basala bala libala ba voilà ozomona donc lelo toza ya ko dévier makasi na même naza na ma fille lelo azali adolescent éducation na pesa ke même lelo oyo na pesa kae. N'expliquez pas Makambo, non, surtout n'est-ce que Libala, voilà d'abord ce que c'est Libala. Et Libala, Moutazo, ça, Libala, les amis, yo, Namoubali, na yo. Yo, Namoubali. Et Makam Nazar, le bas, ils ont été gagnés, Maloba, Mkolo, ma fille, Kobala, Oyunga, la Rosana, Yango. Donc, d'autres, moi pour moi, c'est-à-dire mon beau-fils, c'est-à-dire que Nako Linga a comprendre. Ce que c'est être un homme. Voilà. Donc, tant que un homme n'a pas de tradition, il y a une flèche. Et ça dépend à Pessa et à Ngokaka, Nanine. Tout le bien, le travail à fin d'études, aux autres remettre en promoteur, aux autres remettre en professeur. Mais, ils ont lu qu'au temps, là, que voilà. Maîtriser Nina. La maîtrise Nangaï et tout ça. C'est-à-dire, c'est
la même la conception ya dot na bokoko na biso penda ya bokoko lo ave beba. C'était ça. Voilà, je crois qu'il a. Barabadot, Oezali Kambo, mariage coutumé, dote, tu es bien, balé belé, basou rana présentation parce que, bon, qu'on s'est mis l'autre côté. Maintenant, t'as pas balé, la fin de jambon, si t'as pas balé d'akumoko, basou botabana, bas c'est présentant négat. Parce qu'à Zoko, blog, bas c'est rien, les gars, belé, les tlacs, bas qu'on s'est mis l'autre côté, basou botama, 3, 4, 5, moyen bas qu'ils nous remettent en route, ça devait quand même assez compliqué. Et là où les parents devaient plutôt être. Oui. Beaucoup plus exigeant, c'était plus na éducation yabana, c'était plus na devoir ya exemplarité, parce que na dot wana na ancestralité na biso les parents qui étaient là, ezali bo neto bazaol baki baboti ba parents bazaneti les banzambi assez, c'est à dire que le devoir et l'exemplarité na bango, ça oblige, ça forge le respect. Yango komona lelo na tala kanazo yoka muteme ezo sala pasi ezo lela nazo ka beaucoup ya ba sœur na biso bazoba, nous on va pas être comme nos mamans. Oyo ke oh à cause na bino et tout ça na kufeli na libala. Mais pendant que tu parles comme ça, ozo bosa na ke ce qui m'a botté wana a compris na kaba valeur ya libala te que ndenge za la kalelo awa boswani pona hamburger libala e baby. Papa dit ma combien de bano yebi te lelo awa bazana ba problème psychologique. Maintenant la fille o azo ganga ke et moi je veux pas être comme ma maman et tout ça, est-ce qu'azo ba ki peut-être ce qui maman ya sala ka ndenge ye azo lulela lelo peut-être ye mu ganga za peut-être na ba problème psychologique. Voilà. C'est-à-dire que tous les sous sont maillés. Nous ne disons pas tous les dédouanés que les bêtises, les parents, les parents, les kala que ils ont bien. Mais je veux dire que il y a qu'on traite que maman a zala qui zoba tikala na libala bazaro nyokolaye tout ça soi-disant poupon na bana. Ils ont bouzoba. Parce que ces femmes. Et au moins, c'était des femmes. Oh, ok. Ceux qui va réussir vraiment, ceux qui va valer ou anez transmis. Je pense que Kokongo n'a plus une cause à la télé. Ça bien. La divorce pénible à la mingité. Tout le monde constater, Nicolas. Voilà donc. Si j'ai l'abuso, il y a les lots autres sur le mariage coutumier et la dot. En conclusion, je crois que ceux qui peuvent résumer biso awa, ce que Libale et Sengele Salima Nengenini. Tout conclut là, parce que tu as une minute quand même, et comme moi, et belé, pour la conclusion, c'est que d'autres, et c'est anglais, ça les manines. Toujours la même question sur ça, toujours la n'a qu'à la n'a qu'à symbole, ou comment, qu'est-ce comment qu'il faut faire, pas tout, en tout cas, n'a dit que Batouming, Balanda, Abisso, c'est toute la communauté, Abisso, Bakongolais, nous sommes des chrétiens en général, voilà. Et ceux qui te bito zonga, n'a qu'à t'y aba, y a conception. Il y a qui chrétienté au moment a été papa lit ma papa ma kambaba divorce la Bible bah pharisien bazo il demandait à Jésus que Moïse nous avait à permettant qu'il s'autope sa ligne il y a divorce mais a évité que au commencement c'était pas ainsi et le cognon soso kongo iba les bolam na ngo na ma ben ngo zonga ne bandeli ya on baba et le ya ma ben. Même à temps après, il a dit qu'il y a bien un dégénéni. Il a dit qu'il y a bien. Et là, il a dit qu'il y a mal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut toujours que la dot, ce n'est pas une affaire africaine. La dot, c'est d'abord une affaire spirituelle. La dot, c'est la notion de la vie à Moutou. La dot parce que dot est ali la porte d'entrée na katia libala libala est ali en fait les seuls les moyens où nous avons passé na batupo na ko yeba na ko tonga mukili. C'est au travers de libala que les enfants viennent, c'est au travers de libala que nous
créons la société. Ce n'est qu'au travers de la société que Yomutomi Bengaka, homme de Dieu, que tu peux apprendre à servir Dieu. Comment est-ce que tu vas te comporter vis-à-vis de ton prochain et vis-à-vis de ceci, de cela, de ton frère, de ta sœur. Batoire nyon so bazo bimaka na katinali. Na katinali bala. Yango zo monake, depuis na jardin Eden. C'est-à-dire que d'autres esali, bon moi si, esangana, na kibomo bali, pour être ebota mbouma. Mbouma na ba domaine nyoso sur le plan social économique ndenge mwasi na mubali oyo bako yeba na ko penser mukili na bango ndenge nini mwasi yango mona ba biloko nyoso papa limia tao tozoba ke toza ya kubunga ba boti na biso même dans ces temps là ndenge ba comprena ki message ya libala ya dot ba comprena ki pour que to tambola na harmonie. La femme azalaka nandako parce que le rôle naye ndenge la nature même naye ndenge nzamba salaye ezali plus azali neti nzungu ezolamba biloko biloko yango mubali akindaka plus libanda akindusa la pêche asa la chasse akoya nango apesi mwasi omoni et c'est comme ça que les familles étaient équilibrées. Papa biso to sala na ba domaine ya ba soins de santé to kuta na même na ba mindele o ya ba mpaka. Ils nous disent la même chose. Même il y a 100 ans ici, même pas 100 ans, les femmes ne travaillaient pas, papa. Ils étaient à la maison. Ouais. Et ces gens-là nous disent que à ces temps-là, nos familles étaient plus stables. Voilà. Mais o to yé na ngo lelo o to kanisi ke yango émancipation, yango liberté et tout ça et na mona yango papa na ndako même na fani na ndako. Ngana madame ya bimi musala ngapi na bimi na ke musala tant tozongi ah moi aussi je suis fatigué na eza nature na yo ato boyango nature me ko forcer yo fulamba kaka te na isa na biomoni ba ko sa kibino l'émancipation na femme ba ko sa kibino je reconnais que c'est vrai que à un moment donné biso mbali on a déconné pour mbali comme le baké yo nanda ko usala kanini mutasala ke zangai mubosani te le locaux qui ont le bureau qu'on dans un restaurant, ça va te prendre peut-être ton salaire, mais la femme te prépare à manger. Si on veut foutre un babysitter, ça va te prendre une bonne partie de ton salaire, mais la femme a resté à la maison et garder les enfants. Les locaux qui ont un bon repos, va éduquer leurs enfants, mais la femme faisait ce travail-là. C'est vrai, on a déconné, mais est-ce qu'il fallait réagir de cette façon? Non. C'était pas la bonne façon. Et les locaux, tout ça, comme on a. Donc, Bandeko, d'autres. Oyo tokoki koloba papa Limia ezali yango wana ke mwasi mobali basangana eza makambo te ya banini nini tu et le symbole que on demande là-bas ezali symbole ya kolakisa ke mwasi oyo akoli akomi mwasi ya comprendre ce que c'est la vie akomi prêt maintenant d'enfanter la vie et aussi de donner la vie et que cet homme a est devenu aussi mature, a commis maintenant prêt aussi, il y a comme aussi un vecteur Oyo par lequel la vie aussi peut se propager. Voilà, merci en tout cas Blaise Molama, la émission à l'élo sur la dot, et puis voilà, mariage coutumier. Na mon papa on se souvient voilà ni biso awa dans ce lobby mukeno bal samoa là on c'est là la requête je sais pas mon bon côté bon pas biso mais voilà ils allaient la vérité donc que tu devis quand la makamo à d'autres j'ai mon bal à peso fond des sociétés tu comme ça on va fond des commerces mon dans au boulega que tu dans au bal samoa là chanter là ngolo si là bon on sera dans le commerce là ngambo et puis comment on soit là mambo on est kabula et comment kabula famille bon bunda et comment bien après d'autres bagaille bandi. Bon, on va partager en mabé. Famille comme la difficulté. Et pourtant, ce n'est pas ça le but. Non. Merci en tout cas, Blaise, pour la confondre. On l'a vu sur ces thèmes très importants. Merci vraiment à la Nyonsa Bato Bolandi Biso. Merci la réalisation et la British photo. Voilà donc, tout comme nous avons cette émission. On se retrouve très prochainement dans le sujet. Allez, à très bientôt. Bon, tigre, voilà.